Rose, ça va, tu l'as pas revu? Non. Ça va, t'es tranquille maintenant? Oui, ça va. T'es toute seule dans ta chambre, oui. C'est bon, il est parti? Oui, il est parti. Ok, bon, salut à tous les amis. Salut. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, tout va bien, mais il y a quelques minutes, c'était encore la grosse catastrophe chez nous. On vous racontera ça après. J'espère qu'il n'y aura pas de problème pendant cette vidéo parce que Lily Rose va vous présenter ses petites fidgets parce que regardez, elle en a une belle quantité. Oui. Alors c'est pas tout, il y en a d'autres qui sont encore cachées. Oui. Là, elle les a un peu mis n'importe comment parce qu'on va vous présenter ça petit à petit. Alors vous inquiétez. Yes. T'as entendu? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, tu l'as entendu ou pas? Mais oui. Non mais Lily Rose, tu m'as menti, il y a encore quelqu'un dans ta chambre ou pas? Mais non, il y a personne. Attends, mais il y a quelqu'un qui a jeté une pierre sur la fenêtre, là c'est pas possible. Mais oui. Attends. Attends. Là j'en perds les mots là. Mais il en a laissé quelqu'un. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Attends, mais il manque la plupart des fidgets là. Mais oui. Mais c'est toi qui les as enlevés, Lily Rose, tu me mais fais non, un prank. Mais non, c'est pas moi, j'étais là-bas, tu m'as bien en vue. Attends, tu me fais un prank là. Mais non. Attends, les amis, là ça se passe en direct live, en pleine vidéo. Attends, on vous dit qu'il s'est passé des trucs ultra bizarres aujourd'hui dans notre maison. Là on fait une vidéo sur les fidgets et comme par hasard on se retourne, on entend un bruit, on se retourne, il en manque... Il n'y en a plus. Non mais... Presque plus. Attends, vas-y, on va retourner voir ce qui se passe là-bas. J'espère que ceux-là ils vont pas disparaître en attendant. Attends, on va bien observer. Attends, chut. Attends, t'entends, il y a un rire bizarre. Mais oui. C'est quoi ça? Attends, stop. Il y a un rire bizarre. Oh là! Non, c'est quoi ça? Attends, Lily Rose, vite, attends, vas-y, ferme la porte. Non mais Lily Rose, c'est quoi ça? Non mais Lily Rose. C'est le monstre des fidgets! Non mais c'est quoi ce truc? Non mais Lily Rose, sans rire! C'est qui? Je sais pas! Non mais ça te fait rire. Parce qu'aujourd'hui en fait on va vous raconter rapidement ce qui s'est passé. En fait on a entendu, bon au-delà d'entendre des bruits, bon voilà, il y avait des bruits chez nous. Et en fait on s'est rendu compte qu'il y a un livreur qui est venu livrer un colis. Et quand il a livré le colis, il en a profité pour rentrer chez nous. Et je l'ai retrouvé dans notre cave en train de manger des provisions qu'on avait dans notre cave. Il était en train de manger des pâtes crues. Des pâtes qui étaient même pas chaudes. Et il était en train de faire ça, donc je demande à Lily Rose. Des pâtes crues? Bah il était en train de manger des pâtes et ensuite quand je l'ai vu, il a couru et il est venu dans ta chambre et mais voilà. Ouais, mais c'est trop bizarre. Ouais, mais ça. Oula, non, stop, vous êtes qui? Vous êtes qui? Attends, il jette des fils. Non, il en jette partout. Et stop, Lily Rose, reviens. Non, Lily Rose, reviens, tiens, viens. Mais Lily Rose, pourquoi tu le poursuis? Je sais pas. Il a jeté ça, il vient de jeter ça. Mais aussi il a pris le reste. Qu'est-ce que vous faites là? Eh oh. Eh oh. Qu'est-ce que vous faites là avec votre masque de tamanoir là? Ça te fait rire? Un tamanoir? Tamanoir, c'est pas ce que c'est un animal avec un long nez. Ah. Un nez en forme de trompe qui mange des fourmis. Imagine. Non mais c'est pas imagine, ça existe vraiment. Là les amis, en tout cas ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'appeler notre père pour qu'il vienne le plus rapidement possible parce que là il y a clairement quelqu'un chez nous. Alors on l'a déjà vu pour ceux qui suivent aussi la chaîne, pour ceux qui suivent Pink Lily et Esteban, vous savez que il est déjà venu. C'est pas la première fois qu'il vient. Oui, cette personne avec le masque blanc. Il vient souvent mais c'est pas toujours pour les mêmes raisons. Ouais. Qu'est-ce qui se passe encore là? Oui, tu les as retrouvés. Ah tu oui, les non as mais qu'est-ce qui se passe Lily? Alors moi j'arrive. Attends, t'es énervé là. Ouais, non, mais j'arrive de dehors, je me fais bousculer par une personne qui avait une couverture avec une sorte de nez bizarre. Et regarde, il y en a plein dans la rue. Hein. Non, viens. Ah, attends, alors, je suis choqué. T'as trouvé ça où? Du calme. Calme-toi parce que là ça se voit que t'es stressé. Je veux pour rentrer dans la maison. Attends, t'es allé au travail pieds nus? Ah non, j'ai dû enlever mes chaussures. Il est allé au travail pieds nus? Il est allé piède. Eh, piède, piède nu. Vas-y. Finesse, t'es allé au travail pieds nus. Mais non. Mais bref, peu importe. Peu importe, je rentre. Non, j'avais mes chaussures quand même. Non, allez, on s'en fout. Alors, allez. Je rentre, je veux pour rentrer dans la maison. Oui. La porte s'ouvre au moment où je mets ma main sur la clinche. Au moment où tu rentres dans la maison, il y a quelqu'un qui sort. La porte s'ouvre, exactement. Et toi, t'as trouvé ça où? Non, mais la personne me bouscule, ouais. Elle sort, elle me bouscule. Alors, je te représente à la personne. Non, mais on s'en fiche, là. Mais comment non, je veux... trouvé ça? Bah, elle était dans ses mains, comme ça. J'ai juste eu le temps, elle m'a bousculé. Elle avait plein de fidgets dans les mains. Exactement. Est-ce que c'était une personne avec un long masque blanc? Exactement. Et une sorte de couverture marron, ouais. De quoi? Non, mais attends, sérieux. Mais t'es sérieux, tu l'as vu?
Bah oui, elle m'a bousculé cette personne. Bah c'est la personne qui a pris des fidgets dans la chambre de Lily Rose. Que je t'explique. Qui a profité qu'on a tourné le dos pour prendre des fidgets. Non. Alors au début je pensais que c'était une blague. Ça veut dire qu'il y en a encore dans la rue. Non mais non. Ouais, va voir s'il y a d'autres fidgets dans la rue. Justement, il m'a bousculé. Va voir. Et il y en a. Ouais, va voir s'il y a des fidgets. Putain, je comprends rien. Non mais il est bizarre là. Mais ouais, il est trop bizarre. On dirait qu'il est excité, énervé là. Il est, il a tellement parlé qu'il en perd les mots là. Il est comme ça. Il est arrivé, il est quasiment en train de crier. En même temps, s'il s'est fait bousculer en rentrant dans la maison par le gars au long bec là, au long bec blanc. Le gars au long bec. Alors. J'en ai retrouvé quelques-uns. Non, mais là, c'est pas tout ça. C'est clairement pas tout. Est-ce que tu peux regarder celui-là, c'est mon préféré. Par la fenêtre, Lily Rose, et regarder s'il y en a encore dans la rue. Ouais, bah, à mon avis. Lily Rose, regarde. Ouais, parce que j'en ai peut-être oublié, mais. Non, mais toi, va voir. Je viens d'y aller. Non, mais hop, c'est bon. De toute façon, si. Ah, ça, il l'avait pas pris. Non, ça, c'est vraiment dégueu. Je vais poser ici. Voilà, je laisse là. T'en vois ou pas ? Il y en a plein d'éparpillés. Non, il y en a plus. Il y en a plus. Je crois qu'il y a plus le reste. Ouais, va voir à côté des voitures, va voir entre les voitures. Et à mon avis, je sais pas si c'est le livreur, mais à mon avis, c'est quelqu'un qui est déjà venu chez nous, parce que j'arrive même pas à m'asseoir. pour quelqu'un qui va aussi rapidement, ça veut dire qu'il est déjà venu chez nous pour prendre des objets. Et comme je vous ai dit, on l'a déjà vu cette personne. Enfin, en tout cas, quelqu'un avec ce même déguisement. C'est pas la première fois qu'on le voit, donc ça cache quelque chose. Oui. À mon avis, il y a une bande organisée qui vient chez nous et ils prennent des objets. Oui. Alors Lily, tu as vu des... Non, mais c'est toi qui as dû chercher. Oui, non, mais j'ai demandé à Lily de regarder. Non, mais t'as rien vu entre les voitures. Non, j'ai rien vu. Non, mais il m'a plutôt fait rire. Non, mais le reste, il a dû l'embarquer chez lui. Ça veut dire pourquoi il y a pas tout. L'embarquer chez lui. Lily Rose. Bon. Il y a pas tout. Ici. Non, alors il en manque. Non, mais Lily Rose, tu dirais qu'il en manque combien là? Alors toi. Il en manque au moins 10. Tu connais 10? Oui. Tu connais tes quoi? C'est des fidget toys, c'est non, ça c'est des filettes. Filet toys. Non, des fidgets. Bon, allez. Bon, les amis, en tout cas. Ouais, vas-y, attends, tais-toi, parce que je pense que tu devrais aller dormir, t'es très énervé. Ouais, ça m'a énervé, ça. Allez, vas-y, va dormir dans ta chambre. Va faire une sieste. Allez, oui. Ça fait la troisième, là. Oui, dans la journée. Allez. Non, mais qu'est-ce que tu fais, là? Non, mais eux, ils sont en train de jouer. Mais. Oh, j'en peux plus. Bon, les amis, je vais aller chercher la personne parce que je pense savoir où elle habite. Parce que aujourd'hui, j'ai reçu des SMS, des messages qui me disaient des trucs par rapport aux vidéos. C'est un abonné qui m'a envoyé un message en me disant: je connais peut-être la personne qui fait ça, j'habite pas trop loin de chez vous, j'ai déjà eu des problèmes avec quelqu'un qui venait devant chez moi, qui passait beaucoup devant chez moi avec ce masque, et il m'a dit je pense savoir où il habite dans le square qui est pas trop loin, donc on va peut-être lui rendre visite. Mais bon, ouais. Non, toi tu vas pas y aller. Il y a que moi qui vais y aller. Et comme ça, on aura le cœur net sur. Vite de faire du bruit là, je fais la sieste. Mais elle est là ta chambre. Ouais, non mais je peux pas dormir avec le bruit que vous faites là. Et c'est là-bas ta chambre là. Ouais, non mais je vais en bas, je vais. C'est là-bas. Je vais aller manger un petit morceau. Là. Ouais bah vas-y. Va manger. Je vous prépare une omelette. Non, tu vas dormir. Bon, Lily Rose reste là, je vais voir le gars. Je vais voir Among Us. Allez, c'est parti. Attendez, tu l'as vu bouger là? Bah moi aussi oui. Attends, tu l'as vu? Je sais pas si. Je pense que la caméra on l'a pas vu parce qu'il est passé pile dans le coin de la caméra. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai vu derrière la voiture blanche. Sérieux? Il est caché. Attends, je viens aller voir. Ouais, vas-y. Vas-y, vite. Vite, dépêche-toi. Vite, il met ses chaussons là comme si qu'on avait le temps. Alors t'es allé au travail à pieds nus. Comme une grand-mère. Oh. Une grand-mère à poussière. Bon, en tout cas, les amis, de toute façon, s'il est pas derrière la voiture blanche, j'abandonne pour cette vidéo parce que. Vas-y, vite! Va le voir! J'espère que Peppa Pink il va pas se faire embêter. Regardez, il est là. Allez, vite, va voir! Allez! Allez! Il est là? Je vais ouvrir la fenêtre. Il est là ou pas? Non, Y a personne? Bon, j'irai le voir, j'irai le voir à un autre moment, les amis. Merci d'avoir suivi ça parce que là, c'est très bizarre ce qui se passe. On se dit à la prochaine, bye bye, abonnez-vous, activez la cloche, mettez un like, mettez un commentaire si ça vous a plu. Et oui. Regardez-moi.